السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله. Je viens de recevoir une vidéo de mon frère Shakil. Hafzahullah. Il a fait une vidéo exactement au même endroit où je fais la vidéo en ce moment. Mais je ne l'ai pas vue. Lui, il a dit que c'était pour... elle était au Maghreb. Et là, il est minuit 40. Et qu'Allah Azzawajal fasse que... se réunissent tous ceux qui vous, tous ceux qui m'écoutaient. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit tous réunis, qu'on se réunisse dans son obéissance, dans ce bas monde, ici à la Mecque, inchallah à midi, dans des mosquées, dans des dourous, dans des endroits d'obéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on se réunisse tous au paradis, inchallah ta'ala, avec les wahhabis, tout le monde, inchallah qu'Allah nous accepte tous. Le paradis, il est large. Donc, pareil, je voulais dire un petit mot aussi par rapport à ce qui se passe en Syrie et en Turquie, bien évidemment. En réalité, on ne peut pas faire grand chose. Mais on doit essayer d'avoir le comportement du prophète Aïssatou Salam, qui était décrit comme Wakana Yu'inu ala Nawa'ib al-Dahr. Dès qu'il y avait des problèmes, ici c'est infesté de criquets, c'est quelque chose. Dès qu'il y avait des problèmes, regardez. Dès qu'il y avait un problème, il était le premier à s'investir pour aider, pour prêter main forte, etc. Et c'est un comportement qu'on doit avoir et qu'Allah récompense tous les frères qui se mobilisent. Ceux qui sont dans l'humanitaire, etc. Et tous ceux qui participent de près ou de loin. Ce que je voulais dire en ce qui me concerne, c'est que ce genre de situation, c'est des situations qui nous permettent de réfléchir et de se remettre en question sur nous-mêmes et sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa science. Parce qu'évidemment, c'est des questions qu'on peut se poser. Nous, les croyants, alhamdoulilah, on ne se pose pas trop de questions sur ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de baisse de iman, à part peut-être pour certains. Mais c'est toujours important de connaître, justement, comme je dis dans mes durous, le mot hikma. La hikma. Donc encore là, je ne pourrais pas vous dire de tête la définition exacte, surtout que je ne suis pas très concentré là. Mais en gros, la hikma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il y a, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses et il y a un bien derrière. Parce que ces personnes-là, si elles sont croyantes, ce qu'ils ont subi, c'est ce qu'on peut appeler ce désastre. Ils auront des grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une évidence. Et c'est une évidence. Et qui fait que, comme Allah Azza wa Jalla nous relate dans le Coran, celui qui s'était fait massacrer par les gens, vous savez, dans Sourate Yassin, lorsqu'il est mort, il a dit « Ya layta qawmi ya'lamoun ». Il voulait revenir dans ce bas monde pour informer les gens si seulement ils savaient « Bima ghafara li rabbi wa ja'alani mukramin » par quoi Allah Azza wa Jalla m'a pardonné et il m'a mis parmi les anoublis et parmi ceux qui ont reçu la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour les martyrs de Uhud. Bien évidemment, c'est bien facile de dire ça. Nous, on doit toujours demander l'afiyah et dunya wal akhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait demandé un jour, donne-moi un conseil. Il a dit, is'alullah al-afiyah et dunya wal akhir. La personne est revenue à la charge deux fois d'affilée, trois fois d'affilée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose. Is'alullah al-afiyah fi dunya wal akhir. Parce que tout le bien est dans ça. D'accord. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça nous fait réfléchir aussi au jour du jugement. Parce que la grande catastrophe, autant nous, on doit relativiser sur nos petits problèmes, quand on voit ça, autant aussi, même ce gros problème que c'est nos frères vivent, mais ce n'est rien par rapport au grand problème de l'au-delà, la catastrophe du jour du jugement.
lorsque la femme enceinte va délaisser son enfant, la femme qui allait va délaisser, va lâcher son enfant. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc, par contre, à ce moment-là, il n'y aura pas d'association humanitaire pour venir nous aider. C'est un problème, ça. Moi je dois aller à 90. Non, ça va pas le faire. Donc, là je dois aller à la porte 97, mais maintenant ils ne nous laissent plus y aller. Voilà, ça a l'air de passer. Donc bref, et ce jour-là, il n'y aura pas d'association humanitaire qui va nous aider. Et à votre avis, qui va nous sauver, qui va nous aider ce jour-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Personne ne pourra parler et intervenir sauf celui qui a été autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous facilite de suivre sa sunna et de l'aimer avec notre cerveau et surtout avec notre cœur et avec nos entrailles, de suivre sa sunna apparente et intérieure, inch'Allah. Bon, on se dit à plus tard, peut-être un autre appel. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.